Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un combat insolite qui a été proposé par Christo Douglas qui me dit « J'ai un match à te proposer ». Bah, il faut proposer les matchs, hein, c'est le but. Il me dit « Mario contre Luigi à 205 live dans un Fall Count Anywhere et tu prends Luigi ». Ça tombe bien, pour ceux qui suivent mes vidéos de Mario parfois quand j'en fais, eh bien je préfère Luigi à Mario, voilà, c'est une préférence. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous préfère entre Mario et Luigi, et si vous voulez proposer aussi des matchs un petit peu insolite, si les superstars sont créés dans le jeu, ça me ferait extrêmement plaisir de vous faire plaisir et de les faire, donc n'hésitez pas. Après, si vous voulez laisser un petit like, ça fait aussi très très plaisir. Allez, les petits loups, on est parti! Et voilà, 205 live, on peut valider, les deux superstars ont 100 de général. Du coup, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais franchement, cette affiche, ça vous vend du rêve? Bah moi, oui, ça me vend du rêve. Voilà, c'était... Elles ont été vraiment beaucoup, beaucoup téléchargées. Hein. Elles ont été téléchargées en moyenne, par rapport aux deux, plus de 9000 fois. Ce qui est un très bon score. Mais voilà, n'hésitez pas à voir les superstars solides qui sont dans le jeu, ou même des catcheurs qui ne sont pas forcément à WWE, hein, qui sont autre part, ou je sais pas, des personnages qui... Robocop, ou je sais pas, n'importe quoi. Vous me dites, voilà, des petits matchs sympas, si possible, une description précise du match que vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, là, Christo a eu la bonne idée de me dire qui je dois prendre. J'aurais pris Luigi dans tous les cas, qui ne m'est pas proposé. Mais voilà, pour que ce soit un peu plus sympa, en espérant que les deux superstars avec leur salopette, bah, et des coups spéciaux à eux. Voilà, que la personne n'a pas juste créé un visuel et c'est tout. Parce que des fois, c'est le cas. C'est un petit peu dommage. Moi, j'aime quand une personne crée tout un ensemble. C'est beaucoup plus sympa. Et voilà. Bah alors, hop, debout, mon petit loup. On se relève. Ouf. On a mis... Ah, les deux mains. Il a mis un petit revers. Oh, il se relève vite. Attends, attends. Je dis attends, d'accord? Tu comprends pas quand je te dis attends? Ah, on y va! C'est ça mon drop! Ce qui est passé tranquillou, voilà. Et... Par contre, il faut que je fasse gaffe, voilà. C'est ce que j'allais dire. Faut que je me barre. Ok. Parce que là, on a plus de contre. On a qu'une chose à faire maintenant, c'est déguster tout ce qu'on lui a fait. À part si on peut s'échapper là peut-être. Et ben non! Il dit, tu les vois les cordes! Et bien, ah, tu le toucheras pas. Elle aime bien faire ça. Vas-y, prends ton temps. De toute façon, j'ai appuyé. Ouh, hé hey, Mario, t'es violent. Qu'est-ce que t'as fait, Peach? Peach. Enfin. Voilà, retourne sur le ring. Vilain, va. Et tu restes par terre, d'accord? Attends, je vais mettre comme ça. Enfin, peut-être la miniature. Ah, mais il est marrant. Je suis exprès pour faire une belle miniature. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Bah oui. Il se met à dos. Que des fois je cherche justement à pouvoir faire des miniatures, voilà, dans le jeu, je me dis ah tiens, à ce moment-là il est cool, je le retiens un petit peu en tête, je dis genre 8 minutes c'est cool. Voilà, eh, c'est violent ça. Wow. Non, tranquillo, y a pas de tranquillo, y a pas de tranquillo, d'accord. On se calme. Tiens, petite tatane dans ta face. Toi, tu vas passer par-dessus mes points. Alors. Luigi, I'm Luigi, number one. Alors, ça devrait être bon à ce niveau-là. On est bien. Hop, ne bouge pas. Voilà. Ah, mais il a mis la... Je pense que la personne qui a fait ça... Enfin, la personne qui a fait Mario et Luigi, c'est la même personne. Ils ont mis un petit peu des similitudes. Alors, on est trop petit, Mario. On a du mal. Allez, debout. Oh, c'est génial. Oh, là, je sens que ça va être génial. Le coup qui va se prendre. Il a de la chance. Oh, t'as vraiment de la chance. Par contre, il veut pas lui redonner des comptes, c'est dommage. Viens. Je vais te faire passer par la troisième corde. La 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 la. Non, non. On y va. On est chaud. Cacao, chaud. Bah, tiens, qu'est-ce que tu voulais faire là? Allez. Hop, coup de la corde à l'ange, ça passe toujours. Alors on va tenter de faire ça. Qu'est-ce que c'est comme prise? Oh bah il est tranquille là. Donc, tu fais quoi? D'accord. Oh génial, bien joué. Tiens. Non, attends. Ouf. Il lui a fait la totale. Il a fait le service après-vente comme on dit. Ouh. J'aurais dû faire la voix de Luigi en fait. Zut. Allez, là on est bien.
Là, on peut peut-être le soumettre. C'est pas sûr. Non. Ça sert à rien. Je l'ai su à l'avance. Ça aurait pas été possible. Bon. Je suis désolé, frérot. Hein. Tu sais que je t'apprécie. Tu sais que je t'aime bien. Mais il y a un moment... Voilà. Attends, on va monter ici. Ok, bien joué. Ah, j'ai peut-être été un peu gourmand sur le coup, là. Je pense que je l'ai été. Ouais. En plus, il va avoir son finisher. Mais c'est pas grave. Là, on va se... Voilà. Regarde, on est tranquille, on est tranquille. Il n'y a aucun problème. Hop. Hop, là. Viens là, mon petit loup. Génial. Attends. Reste comme t'es, d'accord. On va juste te retourner, voilà. On va voir ce que ça fait, ça. C'est pas drôle, hein. Ah ouais, non, quand je dis il est pas drôle, il a pas le temps. Oh, j'essaie. Oui, ils l'ont vraiment mis les mêmes coups, deux. Ah, ça aurait pu road break, hein. Et voilà, tu croyais faire quoi? I'm Luigi, number one. Ouh. Allez, relève-toi. D'accord. Ah, tu veux essayer de le faire combien de fois, ça? D'accord. Tu pourras pas... Tu le fais un troisième fois, peut-être? Ah, ça fait mal. Qu'il a mangé du cassoulet ce soir, en plus. Ah, je vous le dis, dire cassoulet, c'est le mot magique de cette vidéo. Voilà. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Non, mais... Ouf. Il appuie. Ah, mais j'ai pas vu que c'était un soumission. À force de faire le... Le petit fifou del pueblo... Alors là, tu ne bouges pas. Que tu as fait? Oh, mais non, c'est pas juste. C'était un contre, hein. Je suis contré, là. Non? Non? Ok. Oh, je suis chaud. Oh, je suis chaud. D'accord. Mais je suis chaud. Voilà. À retardement. Je suis chaud à retardement, je vous le dis. Et bim. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, hop là, c'est ce qu'on va faire. On va le faire tranquillo. Ouais. Voilà. Oh mais... Oh mais non. C'est incroyable. C'est bon. Je me suis dit, et vraiment si on se loupe sur ça... Voilà. Non mais, à la base c'était pas allé ici. C'est pas grave. On prend notre temps. Oh bah tiens, oh my god, je l'ai pas prévu celui-ci, moi je vous le dis, oh là là, attends, ah oh ça picote, allez viens on va le faire à l'extérieur, parce que justement, eh, le but du combat, c'est pas de faire un tournoi à l'intérieur du ring, c'est de le faire à l'extérieur du ring, et Luigi, il a gagné, parce que Luigi c'est le meilleur, bah ouais, I'm Luigi, number one. Allez les petits loups, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, pardon. Ça ferait extrêmement plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. Here is your winner, Luigi. There's no doubt about it. That's a big pinfall win right there. That's a big win right there. Anytime you can pin another WWE competitor shoulders to the mat for the three count, you should be proud.